Bienvenue, attendez. Bonsoir à tous, bonsoir à Casartox, bonsoir à Norlondo 80, parce que c'est à Norlondo tout court que j'avais mis le rôle de modérateur, forcément ça marchait pas. Bonsoir Monsieur Barumba, bonsoir à tous les spectateurs, j'espère que vous allez bien dans cette chaude journée de mois de juillet. Ah bah attends, j'ai tout calé. Je suis un petit peu en retard, mais ça valait le coup de laisser la fin de toute façon de Bayonetta. Ça vaut toujours le coup de laisser la fin de Bayonetta, de toute façon. Ça vaut toujours le coup. Je me souviens, la première fois que j'ai fini Bayonetta, premier du nom, avec ces séquences de fin qui s'enchaînaient, qui n'en finissaient pas, qui allaient de surprise en surprise, j'étais tellement contente de la générosité de ce jeu, c'était incroyable. C'est vraiment un jeu incroyable, quoi. Et du coup, t'as un deuxième compte à Norlondo, qu'est-ce qui se passe? Tu as un compte pour lurker, t'as un compte pour participer, ou est-ce que tu as un double maléfique quelque part sur Internet, hein? Un peu inquiétant. Moi, je serais toi, je serais un petit peu inquiète. Bah, j'espère que ça va bien, en tout cas pour vous, depuis... C'est pas toi, l'autre? Hey, merci pour le resub, Rastanos. That's rad. Rastanos, qui est abonné depuis 23 mois, ça fait 22 mois consécutifs. On est quasiment en 2 ans. Hein. Je sais pas si j'ai un... Est-ce qu'il y a un truc pour les 2 ans? Est-ce qu'on a vu le dernier trailer de Hearthion? Il y en a eu un récent? Aujourd'hui, là, par exemple? Parce que... Anor Yang. Je crois pas avoir vu de nouveau trailer depuis que Yuzo Koshiro avait montré quelque... Ah, aujourd'hui? Aujourd'hui, non, du coup. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu aujourd'hui. Et c'est tellement... Je voudrais tellement tester Hearthion en vrai, quoi. C'est un peu dommage que... Je pense pas qu'on verra Yuzo Koshiro dans le petit quartier de Homebrew Mega Drive à la Gamescom. Sinon, j'aurais adoré taper la discute. Bonsoir, BMOS. Je vais regarder ça. Je vais regarder ça après le stream. Parce que le jeu a l'air... s'annonce complètement incroyable au niveau technique. Et puis avec Yuzo Koshiro derrière, on sait bien qu'il y aura aussi des super musiques. Donc j'ai hâte de l'essayer celui-là, j'ai hâte de l'essayer. Parce que il n'y a pas tant de homebrew que ça qui exploite bien la Mega Drive. La plupart du temps on a des jeux qui sont plus proches de la Master System. Plus on va dire que de la Mega Drive, à part des exceptions comme Xenocrisis par exemple. T'as pensé à moi ce week-end, je vais avoir une photo. Ok. D'accord, ok, bah écoute, j'attends de voir ta photo. J'attends de voir ta photo, je sais pas de quoi tu me parles. Mais franchement, je suis presque inquiète. Bah tu sais quoi, hop, regarde, je vais... Hop, j'ai mis en avant le message. Ça fait très bizarre la mise en avant du message. Il va par-dessous le truc Twitch, ça me donne l'occasion de le reculer un petit peu. Voilà, c'est très bien. Par contre, la taille... Il faudra que je dise à Zurs, qui est le développeur de Twitch Chat, hein, de faire quelque chose pour ça. Tiens, je vais prendre une petite capture d'écran d'ailleurs. Pour lui montrer ce que ça fait quand on met un lien dans les messages mis en avant, que c'est un peu le bazar. Ah, oui, en même temps, est-ce que l'AMD a la capacité de faire ce que fait le Master System? Je suis pas sûr. Ce serait un exploit du coup. Oui, oui, c'est ça, mais NeoFlix Studio, ils font plus que de la Master System Plus. Hein. Mais quand je pense à... Je vais pas nommer les jeux auxquels je pense. Après, c'est vrai que avec maintenant qu'on a le SGDK, on a quand même des jeux qui exploitent bien plus les capacités de la console. Quitte à en demander trop et à tricher, par exemple, au niveau de la taille de la cartouche, par exemple. Mais à une époque, il y a des jeux qui étaient clairement pas ouf. Hein. Techniquement, après, je sais que c'est un boulot incroyable de toute façon de faire un homebrew, quel que soit le rendu final. Et je pense même que ceux qui développent sur Dreamcast, par exemple, surtout quand ils font des petits jeux, c'est un boulot pas possible. Mais voilà, on n'aura jamais, par exemple, de jeu Dreamcast à la hauteur de ce qui était potentiellement un gros jeu Dreamcast à l'époque. À moins d'avoir une vraie équipe dessus, mais comment tu veux mettre une vraie équipe sur un homebrew qui se vendra à 150 exemplaires, quoi. C'est pas gérable. Après, moi, je suis quand même plus cliente sur le principe des homebrew qui respectent les contraintes de l'époque. Parce que
C'est confortable hein, de pouvoir ajouter, faire des cartouches, des jeux plus gros, parce que la mémoire maintenant coûte plus rien, et avoir des puces dans tous les sens. Mais ça, que se dire, bon, ok, je fais un jeu Mega Drive, comme si je l'avais fait à l'époque, avec une cartouche de 4 mégas, avec pas plus de couleurs, pas plus, etc. Ça, c'est classe quand même. Ça, c'est classe. Paprium. Je trouve fou qu'il y a encore des gens qui blaguent là-dessus avec les espèces de trucs là, de petits canulars sur les stocks Paprium retrouvés dans un hangar. En plus, hein, enfin, les homebrew ça coûte cher quoi. C'était quoi? Ça se vend plus de 100 balles. Hein. Et les gens qui l'ont pas reçu. Et les mecs s'en foutent. Hein. Les mecs s'en foutent, c'est scandaleux, je trouve. Et puis en plus, ce qui est en plus autant plus dommage, c'est que je crois pas que le. Je crois pas qu'il y ait de ROM disponible pour le jeu. On s'en fait une espèce d'objet exclusif là, auquel ne peuvent jouer que ceux qui l'ont acheté et qui ont eu la chance de le recevoir. Après, tu peux jouer un peu en salon. Ils aiment bien sortir leur borne d'arcade Paprium avec qui fait de la fumée et tout. C'est classe, hein. Mais je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage, c'est pas, je trouve que c'est pas trop l'esprit de ce que c'est que le homebrew et le voilà. Après, bon, ça, après c'est un business, hein, je comprends qu'il faille en vivre. Hein. Mais une fois que t'as vendu tous tes exemplaires physiques, qu'est-ce qui t'empêche de le faire de mettre en démat? De toute façon, c'est l'objet physique qui a de la valeur. The Curse Knight est génial, ils ont pas triché sur la taille de la cartouche. Ça, c'est bien. Il y a un jeu que j'ai backé sur Kickstarter. Hein. C'est un shoot horizontal, métal, je sais pas quoi, Irina métal, je sais pas quoi là. Par contre, celui-là, je vais pas trop avancer. Metal Fury, Irina Metal Fury, quelque chose comme ça. J'ai des baquets. Encore des Français, notamment une Française qui travaille dessus. J'ai pas trop vu d'avancement. Après, j'ai pas non plus. On a pas reçu trop d'updates sur Kickstarter. Hein. J'avais essayé une fois à la GDC et j'avais été déçu parce que les ennemis étaient des sacs à PV et ça rendait le jeu extrêmement désagréable. Mais bon, écoutez. Vaste sujet avec le homebrew, hein. Moi j'y connais pas grand chose. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui suivent ça très très près. Ils backent plein de trucs et qui s'intéressent à plein de choses, etc. Mais c'est pas trop ma. Voilà. C'est pas trop mon champ d'expertise. Mais bon. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'Arsion, c'est 4 mégas. Après, ils pourraient monter jusqu'à 32 mégas. Hein. Il y a bien des jeux Mega Drive qui l'ont fait. Hein. Donc ils auront le droit. Parce que par contre, ce qui est un petit peu aussi décevant, c'est quand un jeu est. Comme c'est le cas de Demon's of Astaborg, c'est censé marcher sur toutes les consoles Mega Drive et sur les Everdrive, et finalement est tellement gros qu'il ne marche pas sur tous les Everdrive. Et des gens qui auraient voulu jouer sur leur console peuvent pas y jouer sur leur console. Arrête de boire ma menthe à l'eau, Miyu, s'il te plaît. Oh. Alors, Casatox, t'as des cartes mod SLS pour les skills et versions fans. Ah, d'accord. Windjammers, très propre. Après, Windjammers, je comprends qu'il puisse être propre. Hein. C'est pas un jeu déjà exigeant, quelque part. Donc, mais c'est du boulot. Après, le gros challenge sur Mega Drive, je pense que c'est la palette de couleurs avant tout. Vous regardez, là, en ce moment, il y a un portage de Final Fight sur Mega Drive, ce qui est en cours. C'est du boulot, hein. Il y a Outrun aussi. Il n'y a pas Outrun aussi qui a commencé, bref. Et le taf. Et merci pour le sub du coup, Behemoth, super. Quelle classe. Mais il en est où le Triple Trouble 16 bits? Il est fini ou pas? Ça se trouve, il est fini, j'ai newsé dessus et je me rappelle pas. C'est dramatique. J'avais réussi à oublier le fait que Tonton Sega avait couvert genre 9 E3 pour Sega Mag, alors que j'ai publier moi-même les articles quand il les a écrits, quoi. C'est débile. Ouais, voilà. Après, au bout d'un moment, je sais pas, quand tu veux faire un jeu qui fait 150 mégas, tu fais un jeu méga CD, quoi. Bah, écoutez, ce qui serait intéressant, c'est de faire Sonic Triple Trouble sur Game Gear, dans le cadre de mon marathon Sonic, et puis peut-être de tester dans la foulée, parce que ça va pas être très bon, je pense. De tester dans la foulée vers son Mega Drive. Ça peut être cool. Un enfin, Mega Drive PC, quoi. Vraiment génial. Ah!
Ah oui, effectivement, du coup, oui. Oui, il y a une news, effectivement, c'est que l'association MO5, à laquelle j'appartiens, a annoncé officiellement dimanche à Japan Expo que nous allions. On appelle ça un événement. Un nouvel événement Game Story. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais en 2011, je crois, MO5 avait fait une exposition longue durée au Grand Palais qui s'appelait Game Story, qui faisait, je crois, 650 mètres carrés avec tout un tas de consoles de jeux, d'ordinateurs. C'était une espèce de prototype de musée, hein, d'exposition, vraiment du type muséographique. Avec une vraie scénographie, etc., des bandes d'arcade également. C'est un gros succès. C'est un très gros succès, y compris à l'échelle du Grand Palais. Et donc, après, donc, on l'a exporté à un musée à Québec, où là-bas, c'était encore plus grand, encore plus long, parce que ça a duré un an là-bas. Et donc, notre bureau, hein, notre président, vice-président essentiellement, travaille depuis des années avec la ville de Versailles pour reproduire Game Story chez eux. Ça s'était stoppé à cause du Covid. Et là, du coup, ça commence en octobre, jusque d'octobre à avril ou mai, je sais plus. 1000 mètres carrés, 100 postes jouables. 500 jeux présentés au total sur l'ensemble de la durée de l'exposition, avec des colloques, des ateliers, etc. Voilà. Et on va en parler. Ben, j'ai mis le lien que j'ai mis là. En fait, on va faire un live Twitch avec l'association dimanche après-midi, en direct de notre cœur de collection, pour faire une FAQ. Donc, si vous avez des questions à poser sur cet événement versaillais, j'y répondrai avec notre président, notre vice-président. Et je suis sûr qu'on se croisera, parce que moi j'y passerai certainement plusieurs fois, parce que pour plein de raisons, et ça va être très cool. Et donc Doublek, je crois pas avoir eu de, je te réponds quand même, je crois pas avoir eu de nouvelles des devs de Windjammers AMD. Après c'est compliqué parce que maintenant Sega, moi j'ai plus de contact chez Sega en fait. Moi, j'ai des contacts de façon indirecte, mais j'ai plus de contacts directs puisque l'ancien directeur marketing, rep marketing de Sega EMA, donc Europe et Amérique du Nord, hein, qui était l'ancien RP de Sega France, n'est plus chez Sega depuis un petit bout de temps maintenant. Donc c'est compliqué. Après, je peux toujours trouver. Je saurais où diriger les gens, je pense. Mais c'est pas aussi facile qu'avant. Et puis après, l'autorisation, je crois que les cas Electronic Arts et Accolade ont démontré qu'on a besoin d'autorisation de personne pour faire des cartouches Mega Drive. Hein. Donc, de toute façon, je pense qu'ils auront, ils auront, pourront pas avoir de logo Sega de toute façon sur leur cartouche. Ça n'empêche pas de le sortir le jeu. Et Alain Car, salut! Non, t'es pas en retard parce qu'on papote. On papote. Donc, t'es pas du tout en retard. Et tu tombes d'ailleurs très bien. Parce que je vais mettre un peu plus d'enjeu sur ce quiz-là. Parce que j'ai un gagnant. Un petit enjeu. J'ai un gagnant du quiz qui a renoncé à. Qui joue pas sur PC. Et qui a donc renoncé à ses jeux Steam. Et salut RVLP, bah c'est Elahir, salut c'est Elahir, hein, comment ça va? Et donc du coup je peux remettre en jeu un code Steam. Alors ce code Steam c'est celui de Binary Domain. Donc, je peux dire que le vainqueur de ce soir remportera un code Steam pour Binary Domain. Allez, on va dire ça pour ce soir. C'est l'enjeu. On va envoyer dès ce soir au vainqueur de cette soirée un code Binary Domain. Alors, par contre, il va falloir être efficace, hein, parce que le quiz de ce soir, pour ceux qui l'ont déjà fait, c'est assez costaud. Pour apprendre les Marseillais, tout à fait. Apprendre les Marseillais et puis entendre des résistants qui parlent tous avec un foulard sur la bouche. Et du coup, ça fait.
qui m'a fait me crever de rire, bien plus que l'accent marseillais d'ailleurs. T'es chaud? Ben écoute, si t'es chaud, on est parti. On est parti. Hop, on passe en mode quiz. Alors, le quiz hardcore. 40 questions. Voilà, cliquez bien sur cette icône. Ah, t'as chaud. Ouais, il fait chaud. Il fait chaud, il fait chaud. Attention, j'espère que vous êtes prêts pour le début du quiz. 40 questions. Et 21h, on va essayer de tartiner un petit peu plus que d'habitude ce soir. T'as 6 versions du jeu? Eh bien, écoute, t'en feras cadeau. T'en feras cadeau. Après, j'ai aussi d'autres. J'ai plein de clés pour des jeux Steam divers et variés. Choper dans des bundles. On s'arrangera. On pourra toujours s'arranger. Allez, c'est parti pour la première question de ce soir. Bon, d'abord les règles. Ah, comme d'habitude, hein. Bonne réponse, on gagne des points. Mauvaise réponse, on perd des points. Plus on répond vite et plus on gagne de points. Plus on répond vite et mal et plus on perd de points. Si vous skippez une question, vous ne perdez ni ne gagnez aucun point. Attention, première partie. Question plutôt, c'est parti. Dans Gunstar Heroes, qu'est-ce qui différencie visuellement le premier boss selon le niveau de difficulté? Sa couleur, sa taille, sa forme ou sa tête? Aha! Est-ce que vous vous rappelez déjà du premier boss de Gunstar Heroes? Le premier. Pas le boss de mini-niveau, hein. Le boss vraiment de fin de niveau. Tu l'as pas fait? Mais quelle chance tu as d'être vierge de toute information sur Gunstar Heroes. Tu vas adorer quand tu vas découvrir ça. C'est peut-être pas le premier alors. Est-ce que la question est fausse? Bon, de toute façon, je crois que c'est le... Non, c'est le premier, attendez, bougez pas. Est-ce que je me suis gouré dans mes réponses? Ah, c'est pas tout à fait le premier. C'est pas tout à fait le premier. Bon, c'est pas... je pense pas que j'aurai de... De toute façon, je pense pas que j'aurai de réclamation parce que voilà. La réponse est sa taille, effectivement. Alors, c'est pas le premier. C'est le deuxième, en fait. Moi, je parlais de celui-là. Attendez, ça marche ou pas? Oh, ça marche pas! Qu'est-ce que c'est que ce travail? Ça plante systématiquement, mon truc, là. Bon. Pourquoi ça marche pas? Allez, je vais refaire ma scène. Parce que là, ça me... Je vais refaire ma scène. Bougez pas. Je vais pas avoir tout le temps des problèmes. Capture de fenêtre. Bon. Ok. Ah bon, il me trouve plus Chrome. Il me trouve plus Chrome, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Non mais je suis effaré. Moi qui voulais aller un peu vite ce soir. Hein. Ah, ça marche. Bon, du coup c'est giga grand. Il faut que je modifie tout en direct. L'amateurisme. Ah là, c'est là. Tac tac. Allez, on dira que c'est bon. Du coup, je me suis un peu mal les pinceaux, mais c'est pas grave. Je parlais de ce boss-là. Voilà, ce boss-là. C'est le second, c'est pas le premier. Alors, c'est sa taille. Pourquoi c'est sa taille? Pourquoi c'est sa taille? En fait, quand on joue en facile, il est plus petit. Et plus on augmente la difficulté, plus en fait il est grand. Parce qu'il joue sur l'écartement des cubes pour augmenter la taille du boss. Vous trouvez une image où il parle de ce processus dans mon bouquin. Après, est-ce qu'on peut considérer que l'espèce d'asperge
un peu nul là est un boss. Non, dans ce cas-là, c'est bien le premier. Voilà, c'est Bravo Man qui est le second mini-boss. Donc je vous montre, j'essaie de vous montrer. Là. Et hop. Voilà les trois tailles du boss en fonction de la difficulté du jeu. Voilà. Oui, bon, bah voilà. De toute façon, je pense que je pense pas qu'il y ait d'enjeu sur cette question. Il y a assez d'écart entre les participants, à mon avis, pour... Je vais quand même vérifier viteuf. Il n'y a pas de... Merde. Non, initiative, non. Résultat du quiz des 20 ans. Ça se trouve, en fait, tout le monde avait... Tout le monde a eu tort. Hein. Non, c'est bon. Il y avait... Non, non, de toute façon, il y a trop d'écart entre les participants. Il n'y a pas d'enjeu sur cette question-là. Il n'y a pas de problème. Je pensais que c'était un boss fin de niveau, en fait, ça n'est pas, ça n'est que le second mini-boss. Donc je me suis planté sur cette question, mais il n'y a pas d'enjeu au classement final, donc il n'y a pas de... Voilà. Il n'y a pas de victime. Un crime sans victime. Mais du coup, ça me nique tout, mon truc. Bah, à faire ça. On va le faire à la main. Question suivante. Quel est le premier titre de développement de Alien Soldier? Est-ce que c'est Blade Charger versus The Army of Alien Soldiers? Blade Runner versus Almighty Goose? Blade Hunter versus The Tiger? Ou Blade Slasher versus Skull and Cross Guns? Bah en fait, les ennemis dans Ghost Heroes sont totalement inspirés des personnages de la série Time Bokan. On retrouve par ailleurs... Hein, dans le shoot Saturn Bokan Tuipatsu, qui est un shoot vertical très sympa. Alors, moi j'utilise les sources que j'ai à disposition hein, pour trouver des questions compliquées. Ou normalement il faut avoir des livres. Hein. Ne passe pas la question suivante sur smartphone. Pourtant j'ai rien changé par rapport à avant. Ah franchement, ah mais le retournement de situation avec Anakar qui est empêché de participer au quiz. Hop. Personne ne l'avait. Eh ben c'était Blade Slasher versus Skull and Cross Guns. Une information qu'on trouve dans ce très bon bouquin. Voilà, légende du développement 16 bits qui est consacré au jeu 16 bits de Treasure. Hein, et qui est vraiment passionnant, quasiment de bout en bout. Donc qui parle de Gunstar Heroes, d'Alien Soldier, de DLM Teddy, de McDonald's Treasure Island, de Yu Yu Hakusho, et ainsi que de Light Crusader. Voilà. C'est super intéressant. Et donc Alien Soldier qui était vraiment le projet d'un seul homme. Et son premier titre de travail, c'était ça. C'était Blade Slasher versus Skull and Cross Guns. Et il faut savoir que Alien Soldier est un jeu qui n'est pas terminé. Il y a plein de contenu qui n'a pas été intégré au jeu final. Qui aurait dû avoir beaucoup plus de boss que ça d'ailleurs. Par exemple, ce truc là. Voilà, une espèce de boss lapin extrêmement stylé. Et ben celui-là, hop, il n'est pas dans le jeu final. Voilà, donc voilà, super, 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 super bouquin. Je vous invite à un peu cher parce qu'il faut l'acheter aux États-Unis. Donc t'as les frais de port qui s'en suivent. Mais c'est une lecture vraiment passionnante pour peu qu'on aime Treasure ou la Mega Drive ou le jeu vidéo en général. Question suivante. En plus de Temjin, quel Virtuaroid a une troisième couleur dans le premier Virtualon sur Saturn? Est-ce que c'est Affarmed? Est-ce que c'est Raiden? Est-ce que c'est Feyen? Ou est-ce que c'est Viper 2? Là, clairement, il faut avoir le jeu. Hein. Temjin a une troisième couleur. Hein. Temjin, il est soit en rouge, soit en bleu. Enfin, plutôt bleu ou rouge. Et notre robot a une troisième couleur. Jaune aussi, d'ailleurs, comme Temjin. Mais lequel est-ce?
T'as le jeu et tu sèches. Alors, la réponse est Raiden. Alors, je trouve pas d'image hein, de Raiden. Mais il y a une astuce hein, pour jouer avec Raiden avec une magnifique livrée jaune fluo. Bon, je vais vous montrer ça. C'est pas tout à fait ça, mais ça ressemble. Ça va marcher là. Voilà, voilà. Il ressemble en gros à ça. C'est assez stylé, même si je trouve qu'il est moins bien, il est moins stylé qu'avec sa couleur de base ou même sa couleur secondaire qui est une couleur vermillon, rouge sang, qui est vraiment classe. Mais voilà, Raiden et Temujin ont une troisième couleur. Et sachez également que Temujin et Viper 2 ont une super attaque un peu cachée. Voilà, également. C'est un peu nul, hein. Franchement, c'est pas super intéressant cette attaque. Mais elle mérite d'exister. Alors, question suivante. Quel est le nom de famille de Jack, le héros de Mad World? Est-ce que c'est Cayman? Est-ce que c'est Shale? Est-ce que c'est Richer? Ou est-ce que c'est Sherman? Ah, je vais baisser mon écran, attendez. Allez. Voilà, c'est mieux. Je suis plus centré comme ça. Jack, qu'on retrouve d'ailleurs dans Max Anarchy, alias Anarchy Reigns en Occident. Et jeu dans lequel Bayonetta est également un personnage jouable. Ça l'a un peu moins dur. C'est dur hein, de faire des questions difficiles, hein, parce que les questions difficiles, bah, souvent, j'avais pas non plus les réponses. Et faire les questions quand on n'a pas les réponses, on va aller chercher loin, quoi. Et la réponse, c'est Cayman, Jack Cayman. Jack Reacher, non, c'est un personnage de roman, de film et de série. Et Shale, pas du tout. Une bonne réponse quand même, bravo. Qui a répondu correctement à celle-là? Doublek, bravo Doublek. Un peu hésité quand même, hein, mais c'est bien joué. Ah, j'ai un peu de latence là. C'est assez bizarre. Bon, en fait, l'avantage de QuizKit, c'est qu'on peut, on peut facilement importer les questions via un fichier CSV. Donc, vu que j'avais fait déjà un fichier Excel pour les questions du quiz Google Forms, après, hop, j'ai tout balancé juste en retirant les virgules et puis c'était bon quoi. Si j'ai dû tout refaire à la main, je l'aurais pas fait. Hein. Je vous avoue que c'était trop de boulot. Mais là, c'est cool. Question 5. En 96, à combien d'exemplaires s'est vendu Surgical Strike sur Mega CD aux USA? Ah oui, heureusement qu'on peut importer des questions en masse. Hein. Sinon, c'est super long. Ah, c'est une donnée qu'on a appris dans les Sega of America Leaks de l'an dernier. Avec tout un tas de chiffres de vente, de données internes, d'emails internes à Sega, où on a appris quelles étaient les marges sur les consoles, les accessoires, etc. etc. Et c'est là qu'on a appris, par exemple, que Sega Rally, par exemple, sur Saturn, c'était très très mal vendu aux USA. Donc c'est quand même, ce qui est quand même la preuve que les Américains n'ont rigoureusement aucun goût. J'essaie de retrouver l'article parce que j'avais fait, je m'étais bien amusé à potasser tous ces documents. C'est passionnant en fait, c'était 90 pages de documents, de mails, de tableaux. Et c'est passionnant de lire ça, d'analyser ça, c'est vachement intéressant pour mieux comprendre l'histoire de Sega, Sega of USA et pourquoi, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché. Ah non, c'était que ce Mega CD, parce que version 32X n'a été vendu que au Brésil. Mais Jacques Atled, doublage nul, c'est la cata. Et la réponse est 18. Il s'est vendu 18 exemplaires de Surgical Strike en 96, ce Mega CD aux USA. Voilà. Et je pense que c'est significatif, hein. Toute la politique de Sega par rapport au Mega CD avec sa folie du FMV et globalement du fait que c'était un peu complètement con de courir 10 lièvres à la fois côté Sega of America avec autant de consoles à marketer en même temps.
Et non, mais c'est trop bien sur Surgical Strike. C'est trop bien sur Surgical Strike. C'est vraiment super bien. C'est un jeu génial et avec les meilleures explosions de maquettes de l'histoire du jeu vidéo, je pense. J'adore ce jeu. Question 6. En quoi se sont déguisés les dirigeants de Sega of America à Halloween pour se plaindre de leur chef japonais? En bébé, en zombie, en esclave ou en bagnard? Et ça? Parce qu'évidemment, Sega of America se plaignait de ne pas avoir une autonomie complète. De la part de Sega Japon, parce que comprenez-vous, c'est quand même eux qui faisaient les bons résultats. Et non pas toutes ces faces de citron aux côtés du Pacifique, quoi. J'ai peut-être posé la question dans un quiz précédent, mais je pense pas. Je pense pas. Et par contre, je me rends compte que j'ai pas mis à jour mon petit truc qui est tournant là pour le dernier test. Le dernier test, c'est pas du tout Demon Slayer qui est un jeu de daube. Hein. C'est Pirate Gold. Alors, je vais modifier mon truc vite fait. Ça va aller très vite. Merci Twitch Chat. Hop là. Et voilà. Et la bonne réponse, c'était en bagnard. Non mais voilà, Demon Slayer, franchement, pourtant avec JP, hein, moi j'ai joué avec JP en multi. Avec JP, on a joué des fois des jeux un peu pas ouf, on s'est quand même amusé. Avec Xeros, on avait joué à des jeux pas ouf, on s'est amusé. Là, on sait, c'était l'horreur. Voilà la photo des représentants de Sega of USA qui étaient déguisés en bagnard pour Halloween. Voilà, pour bien montrer que j'étais prisonnier de Sega Japon. Cette bande de vilains personnages. Mais c'est un peu dans leur tête, hein. Ah, la team qui a fait Demon Slayer? Bah, Demon Slayer, c'est Mao Party en moins bien. Donc, si vous. Voilà. Donc, si vous n'aimez pas Mao Party parce que c'est un peu long, un peu chiant, Demon Slayer, c'est pire. Franchement, Demon Slayer, ça aurait été mieux en jeu de plateau. Tu lances ton dé, tu tires une carte, tatata, tu prends un petit jeton par-ci par-là, ça aurait été plus intéressant qu'un jeu vidéo où ça prend 3 plombes. C'est vrai, un esclave, ça peut être compliqué, ça aurait peut-être été mal vu, surtout pour les directeurs qui étaient tous blancs. En tout cas, aucune bonne réponse, hein. Aucune bonne réponse. C'est bien, ça montre que le niveau de difficulté était bien. Avec quelle technologie Sega a développé Virtua Racing? Celle de Continental Aerospace Technology, General Electric Aerospace, Dassault System ou Honeywell Aerospace Technologies? Celle-là, elle est un peu fourbe. Parce que c'est pas le nom qu'on entend en général. On sait que Sega s'est dirigé vers une entreprise de l'armement pour ben son modèle 3D, quoi. Avec la Zeros Technochip. Alors, la réponse c'est General Electric Aerospace. Pourquoi? Alors, effectivement, on dit oui, c'est Lockheed Martin. Sauf que Lockheed Martin, ça s'est appelé Lockheed Martin qu'après la fusion avec General Electric Aerospace et une autre entreprise. Pour former Lockheed Martin. Au moment des tractations entre Sega et cette entreprise, c'était General Electric. Voilà, donc bien joué pour ceux qui auraient trouvé la bonne réponse. Il y a encore un très bon article que j'ai trouvé qui parle de ça dans le détail. Est-ce que je vais vous le trouver? Je le trouve pas. Je trouve pas l'article. J'essaie de le prouver, de le poster sur les réseaux sociaux.
Cet article. Hein. Peut-être dans mon historique. Ah, bah, je parle de ma souris. Je parle de ma souris. Voilà. Historique. Est-ce que je peux aller très loin dans l'historique? Just Racing. Non, ça va trop loin, je pense. Ouais, non, je pense que ça va trop loin. Ah, si! C'est là? Non, c'est pas là. C'est pas dans Yabuto. Je le retrouverai. T'as la mode J? T'as bossé à J? Ah, moi, j'ai bossé avec des gens de J. J'ai bossé avec des gens de J quand j'ai bossé pour un projet pour une centrale nucléaire. Hein, brièvement. Question suivante. Dans sa présentation des résultats de mai 2024, à quel horizon Sega Sammy vise une proportion de 8% de femmes à des postes de management? 2031, 2051, 2041 ou 2061? Alors, pour un petit indice chez vous, c'est la même année qu'ils souhaitent atteindre une neutralité carbone. Moi, c'était avec J.I., je sais plus. C'est juste avant qu'est-ce que cette branche fasse racheter, je crois, ou après, enfin, un truc comme ça. C'est chaud, hein? Vous imaginez bien qu'il n'y a pas beaucoup de femmes chez Sega de toute façon, et encore moins des postes de direction. 8%, c'est que dalle, hein? C'est quand même pas 51, c'est quand même 2031. C'est pas si loin. C'est pas si loin, mais on se dit quand même que, voilà, ok, vous pensez 8%? 8% d'ici 7 ans. C'est-à-dire qu'on est à quoi? Là, on est à 5, on est à 6. En plus, management, c'est très large. Hein. Ça peut être lead designer, ça peut être plein de choses. Hein. Donc, si on n'est même pas 8% aujourd'hui, ça laisse un peu. Voilà. On donne une idée de où on est au niveau diversité chez Sega et inclusion. Ah, mais c'est que dalle, vite. Après, si vous, je vous invite à lire quand même les rapports annuels aux investisseurs de Sega. Pas tout, mais le PowerPoint qui est super intéressant. Donc ça parle des chiffres de vente, des stratégies, objectifs. Et par exemple, ça fait deux fois que Sega dit nous on veut des équipes développement plus inclusives. Ça veut dire avoir des gens de différentes cultures. Ça veut dire envoyer nos devs japonais à l'étranger pour qu'ils s'imprennent des méthodes d'autres pays, etc. C'est super bien. C'est super intéressant. Ce qui est très accessible. Franchement, allez-y, lisez-les. Quand Aneda fait sa petite news semestrielle, ça vaut le coup d'aller voir. Question suivante. Je vois que ça flex. Dans Resident Evil, quel personnage n'existe en version zombifiée que sur Saturn? C'est Monsieur X la question. Albert Wesker, Chris Redfield, Barry Burton ou Jill Valentine? Même on voit dans la petite vidéo qu'ils ont sorti là pour le recrutement pour Crazy Taxi. De toute façon, tu sens vraiment une envie de bien faire et même en général, Sega, c'est quand même une boîte qui est assez connue au Japon pour être plus relaxe que d'autres. Par exemple, au niveau, c'est con, mais au niveau du code vestimentaire. C'est bête, hein. Mais après, il y a un petit peu du, comment on appelle ça, du cool washing. En gros, vous crunchez comme des bâtards. Hein. Mais bon, vous pouvez venir en polo au bureau. Donc il y a un peu de ça, mais... Salut Jimbo Seb. Ah bah là, mon gars, t'es sur... C'est Sega, donc... C'est Albert Wesker. Hein. Voilà. Alors je sais plus comment, c'est Monsieur X hein, qui a fait cette question-là. On croise Albert Wesker en version zombifiée que sur Saturn. Voilà. Qui est effectivement une très belle version. Qui est vraiment très réussie. J'ai pas fini parce que je suis une grosse flippette hein, et parce que je me suis cassé les dents sur l'araignée géante, mais rien à envier à la version PlayStation. Mais clairement, enfin, ça n'a pas de sens, costard cravate quand t'es dev. Question 10. À sortie de Mighty No. 9, qu'a posté le compte Twitter officiel de Sonic? Vous ferez mieux la prochaine fois, bravo pour l'effort, mieux vaut tard que jamais, ou c'est mieux que rien. Dans tous les cas, c'est un peu perfide, on est d'accord. Hein.
Et j'ai le lien du tweet que je vais vous mettre du coup après coup. Ah, ça y est, si je l'ai, j'ai l'article Virtua Racing. Je vous le colle. J'avais noté. Et ceci, c'est bien Yahoo, Yahoo Auto. Alors, du coup, Resident Evil, du coup, j'ai le détail. Wesker est disponible dans le mode Battle au stage 12 avec 3 autres zombies. Voilà. Alors, Mighty No. 9, hein, qui est notre jeu de notre développeur favori Inafune. Il s'était plaint que l'industrie japonaise était en train de crever, qu'il n'y avait plus d'innovation. Avant de sortir, une espèce de clone de Megaman, hein, donc bravo mec. Et la réponse c'est mieux que rien. Alors je vous montre le tweet. Parce qu'en gros, c'est ce qu'avait répondu Inafune lui-même, hein, à des backers qui se plaignaient, je crois. Je sais pas, du fait qu'il y avait moins de niveaux que prévu, ou que c'était moins. Enfin, voilà, que le jeu était moins bien que ce qu'il aurait dû être. Hein. Et du coup, quand le jeu est sorti. Voilà, alors je vais zoomer un peu. Quel enfer! Voilà, on voit là. Et voilà, c'est. C'est mieux que rien. C'est quand même extrêmement. C'est extrêmement perfide. C'était à l'époque où le compte Sonic était tenu par Aaron, je sais plus quoi là. C'était qui était très rigolo. Beaucoup plus que maintenant où c'est extrêmement fade. Mais voilà. Ah, mais c'est de l'image Sonic que j'ai reprise pour les pages 404 hein, sur le site Sega Mag. Franchement, quel dunk incroyable quoi. Alors regardez le classement général. Alors qu'est-ce qu'on a? Et c'est Doublek qui est en tête. Hein. Derrière on a Yanis le rétro, bienvenue Yanis le rétro, en négatif. Kazertox en négatif, tout le monde en négatif. Kazertox moins 15 000. Selahir moins 34 000. Alain Carr. Moins 45 000, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à l'incarne? C'est la chaleur. C'est la chaleur, c'est l'enjeu, c'est la peur de gagner. Salut Jim Bosset, je t'ai, voilà. Ça, c'est la peur de gagner, ça. C'est quoi? C'est les élections qui te font des trucs? C'est les élections au perchoir à l'Assemblée nationale qui te perturbent? Qu'est-ce que c'est? Dis-nous. Des problèmes techniques. Désolé. Ah mais tu vois, tu marques peu, mais tu marques des points positifs quand même, c'est ça l'important. L'important c'est la précision, surtout des questions difficiles comme ça. Allez, Behemoth, écoute, merci Behemoth. Tu ne remonteras pas au classement avec ce compliment, mais merci quand même. Et on continue pour la question 11. Dans la langue de Panzer Dragoon, comment dit-on lumière? Famous, Frota, Flair ou Noster. Quand je vous dis que je suis allé chercher des questions tordues, je ne vous mentais pas. Tu comptais pas remonter. Bon, ça va alors. Parce que figurez-vous qu'effectivement, la langue de Panzer Dragoon est une vraie langue. Une langue a été créée pour les besoins des cinématiques qui ne sont pas doublées, mais uniquement sous-titrées. Et la réponse, c'était Famous. Voilà, Famous, ça veut dire lumière. Vous pouvez retrouver un petit glossaire de Panzer Dragoon sur le site Panzer Dragoon Fan Universe. Bref. Le site référence sur la saga Panzer Dragoon. Question suivante. Quel personnage n'est pas disponible dans Fighter Megamix sur Saturn? Chou Amabane, Janet, Siba ou Hornet? Fighter Megamix qui regroupe effectivement Virtua Fighter et Fighting Vipers. Mais pas que, avec plusieurs personnages d'autres franchises Sega présents pour la première fois en 3D.
Ce serait marrant de faire un petit stream en versus avec JP par exemple sur le jeu. Tac. Le voilà, le voilà. Un peu de lumière. Allez, la réponse. C'est Shu Amabane. Shu qui est le personnage principal de Burning Rangers. Ben déjà Nathalie, elle a totalement pété. Hein. Jadette qui est la coéquipière de... comment il s'appelle ? Rage et Smarty, je crois. Les deux personnages de VirtuaCop. Siba qui était ben, le personnage qui n'a pas été dans Virtua Fighter 1 mais qui est revenu dans Fighter Megamix. Et Hornet, hein, c'est... Hornet, c'est... mince. Flûte. On fond toujours. Besoin de Daytona avait ça. Voilà. Mais oui, évidemment, le Hornet. Qu'est-ce que j'hésite? Ça n'a pas de sens. Alors, trois bonnes réponses, c'est bien. C'est bien. Des fois, je vous ménage un peu quand même. Hein. Je veux pas que des questions impossibles, hein, sinon, c'est un quoi vous décourager. Hein. Question suivante. Parmi ces propositions, quel a été le plus ancien nom du studio Sega WoW? WoW Entertainment, Overworks, Sega CS2 ou Sega Software R&D numéro 7? Hein. C'est dur ça, hein. Parce qu'ils changent tout le temps de nom les studios chez Sega. C'est pas facile, c'est pas facile. Hein. Alors, la réponse, c'était Sega CS2. Alors, Sega WoW s'appelait avant... alors, Sega WoW, c'est la fusion de WoW Entertainment et de Overworks. Overworks, qui s'est appelé auparavant Sega Software R&D Département 7, qui avant s'appelait Sega CS2. Voilà. Truc à tiroir. Et oui, voilà. Après, t'as eu les AM, t'as eu les trucs R&D numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, enfin... les chronologies des studios de développement de Sega, c'est tout un bins, hein. D'ailleurs, attendez. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Sur Sega Retro, la chronologie des studios Sega. Faut s'accrocher quand même, hein. C'est pour Consumer Service. Je ne sais plus. C'est pour Consumer... pour Consumer quoi? Consumer Research... Consumer, ouais. Je sais pas pourquoi, c'est une espèce d'acronyme bizarre. Par rapport au caractère en japonais? C'est pas clair. C'est pas clair du tout. Alors, question suivante. Aucune bonne réponse, hein. Ah, ça c'est dégueulasse. Quel est le code hexadécimal du bleu du logo Sega officiel au Japon? Ah, mais par contre, il n'y a qu'une seule bonne réponse. Hein. Si tu prends chronologiquement Sega WoW, que tu remontes à chaque fois, au bout d'un moment, tu arrives sur Sega CS2. C'est la seule réponse qui convient. Alors, ami graphiste, c'est compliqué, hein. En plus, c'est pas le même couleur entre Sega Japon et Sega Occident. Ça dépend des époques. Mais actuellement, c'est 008DD0. Voilà. Sachant que 00549C, c'est le bleu de Sega Mag. C'est le bleu foncé. Qu'on utilise un peu partout sur le site. Voilà.
des autres sur des variations. Je crois que 0, 0, 6, 0 à 8, c'est juste une variation. Et 0, 0, 7, 0, E6, c'est des variations plus claires ou plus foncées du 0, 0, D, 0, 0, 8, DD0. Ah non, il fallait pas utiliser la pipette sur ces gamins parce que c'est pas le même. Hein. On a pris pas le même exprès. Allez, je vais vous montrer comme logo Sega. Attendez. Sega logo. Non, ça c'est pas ça, c'est un autre truc. Mais je trouve pas de. Bon. Attends, est-ce qu'on peut trouver un truc? Sega, Sega. Sega. Bah, je trouve même pas de. Sur Sega Retro, je trouve même pas de. Le truc sur le logo, c'est bizarre quand même. Pas très grave. Franchement, c'est des nuances très 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 proches en plus. Hein. Question suivante. Durant votre première partie de Shenmue, qu'en fait-il à Yokosuka le 29 novembre 86? Il fait beau? Il pleut? Il neige? Ou mitigé? Merci Doublek. Voilà, le logo est plus clair au Japon. Et donc on trouve le RAL sur Sega Retro. Merci encore Doublek. Alors, en plus, vous avez aucune excuse parce que j'ai refait Shenmue en stream il n'y a pas très longtemps. Et en plus, c'est quand même un élément qui est très très largement utilisé, rappelé dans le jeu quand on mène l'enquête. Il neigeait. Il neigeait. Parce que Ryo demande toujours « Oui, mais vous vous rappelez, est-ce que vous avez vu une voiture noire ?» Vous savez, le jour où il neigeait, patati patata. Et alors pourquoi je précise la première partie? Parce que durant la première partie de Shenmue, quand on n'a pas encore fini le jeu, la météo est imposée par le jeu. Voilà. C'est la météo de Shenmue. Quand on finit le jeu une première fois et quand on refait une nouvelle partie, on a le choix d'utiliser à la place la vraie météo de Yokosuka à la période durant laquelle se déroule le jeu. Et en fait, et du coup, il neige pas. Voilà, effectivement, t'entends les pas de Ryo dans la neige, bah très bien. Mais non. Non, ça marche pas, BMOS. Il neigeait, il neigeait. Je viens me planter sur certaines questions, mais là, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est quoi, Miyu bébé? À pas risquer de mettre tes pattes sur mon stream, hein, sur mon clavier. Attends, je te libère la place. Allez, hop. Oh, t'étais trop petit, Kazartox. Pourtant, là, c'est classique des classiques. Hein. Effectivement, le petit chfrouche des pas de Ryo dans la neige. Voilà, l'interrogatoire, tout ça. C'est emblématique. Et question suivante, pendant que je tente d'empêcher tout de voir dans mon... Où fut fondé Sega? Facile. Okinawa, Miami, Hawaï, Osaka. Je vais vous trouver... Est-ce que je vais trouver une image du début de Shenmue? Shenmue Beginning, peut-être? Après, c'est bien connu que Sega est une boîte qui est américano-japonaise. Bon. Je trouve pas une image du début de Shenmue, c'est dramatique. Bon. Pas grave. La réponse était Hawaï. Voilà. Alors David Rosen, patati patata, je vous refais pas le. Je vous refais pas tout l'historique. On va penser au Dragoon. Hein. Bon, du coup, qu'est-ce que tu fais, Mimi? Hop!
On attend toujours d'ailleurs le remake du 2, hein. Panzer Dragoon, hein. C'est censé sortir juste après le 1, mais je pense qu'on le verra jamais, hein. À mon avis, dans les limbes du développement. 17. Quel est le point commun entre Yuzo Koshiro et Makoto Shinkai? Ils faisaient partie du même club d'informatique au lycée, ils ont tous les deux débuté chez Falcon, ils ont le même groupe sanguin, qui est A+. Ils sont tous les deux originaires de la préfecture de Nagasaki. Ah! Makoto Shinkai, qui est le réalisateur hein, de Suzume, Traversée du temps, Your Name. Voilà. Un mec qui a un petit peu de talent, quoi. La réponse était, ils ont tous les deux débuté chez Falcon. Makoto Shinkai, donc avant d'être réalisateur, hein, a donc travaillé un peu dans le jeu vidéo. Bon, pas très longtemps apparemment, puisqu'il s'est barré assez vite, mais voilà, c'est leur point commun, tous les deux. Donc deux grands artistes qui ont débuté dans la même entreprise. En même temps, Yuzo Koshiro est plus vieux, même si il a arrêté de vieillir en 94, j'ai l'impression. Question suivante. Pourquoi le jeu d'arcade d'Otolikun, 90, est-il aussi moche? Était fourni avec les bornes pour une obligation légale. C'est un test non destiné à être commercialisé. C'est un faux jeu qui cache une machine à sous illégale. Ou c'est une série de rééditions de jeux du début des années 80 qui a évidemment bidé. Alors, Dottoricon. Je pense que certains d'entre vous le connaissent parce que on pratique l'émulation et qu'on a par exemple MAME et qu'on a téléchargé un full set dans MAME. Quand on classe les jeux Sega dans l'ordre de sortie, on tombe assez vite sur celui-là. Sauf ça, c'est plus moche toujours. Alors. Parce qu'elle était fournie en bundle avec une borne. C'était une. Là, je vais remercier le Discord de Silence On Joue et leur channel La Minute Culturelle. C'est là que j'ai chopé la réponse en fait. Le jeu était fourni avec les bornes Astro City. Parce que les éditeurs étaient obligés de fournir un jeu avec les bornes. Et du coup, bah voilà, ils ont fait un truc en 3 minutes, filé un stagiaire sur un coin de table pour fournir un logiciel qui leur coûte pas cher à produire. On en a parlé avec Astro City Mini. Ah, parce qu'il est dedans, forcément, vu que c'est un jeu entre guillemets emblématique de la borne. Mais attends, je m'en rappelais pas. C'est super low cost parce que voilà, pourquoi s'enquiquiner? Question suivante. Ah, Totoricon, c'est ça, au fait. Je voulais pas montrer. Je vous en rappelais pas. Et ça marche plus encore. Hein. Mais ça me casse les bonbons, ça. Pourquoi ça marche plus hein? Les captures de fenêtres, hein, c'est pas facile. Hein. Bon, du coup, je repasse sur Firefox. Ah, Totoricon, c'est ça. C'est vraiment zéro effort. Et ben c'est disparu. C'est une provocation. C'est une provocation. Du coup, la réponse va à la question. En 96, Sega USA ferait 3 jeux pour l'achat d'une Saturn. Lesquels? Est-ce que je vais trouver? De toute façon, j'ai beau essayer de mettre des trucs, ça marche pas. Donc, Sega Saturn, Promotional. Christmas. Je tente des trucs pour trouver l'image. Hein. 96. Je pense pas trouver. Mais bon, sait-on jamais. Sega Saturn, Christmas 96. Game Bundle peut-être. Non, je le trouve plus. Je le trouve plus. Bon, c'est pas très grave. On va faire route ça.
La réponse, que vous attendez tous la réponse, c'était un pack d'Eternal USA Virtua Cop Virtua Fighter 2 qui était fourni quand on achetait une Saturn, tout simplement. Donc trois bons jeux. C'était pas si vieux en plus, hein. VF2 c'est 80, c'est juste avant. Eternal USA ça commence un peu à dater, mais Virtua Cop aussi, mais Virtua Fighter 2 c'était une bonne affaire. C'est dire si vraiment Sega était aux abois à l'époque, hein, ils voulaient à tout prix vendre des consoles malheureusement sans succès. C'était compliqué hein, de faire 97, hein, c'est un petit peu trop tard. Hein. Ah mais Virtua Cop, comment tu joues maintenant? Comment tu joues sans flingue, sans aucun intérêt? Ça c'est vraiment des. Un type de jeu, un genre de jeu qu'on a perdu avec les écrans HD, c'est quand même bien dommage quoi. Question 20. À quoi servait le périphérique Tenkeypad sur Mega Drive? Jouer plus facilement au jeu de Mahjong de la console, pour utiliser des services de banque en ligne, à accéder à un service de téléphone rose, ou à jouer à des jeux de quiz? Parce que c'est bien connu que la Mega Drive était pouvait être connectée en ligne à l'époque. C'est ça le Tenkeypad. Hein. Ça servait à utiliser les services de banque en ligne, figurez-vous. Je mets le lien par la page Sega Rétro de l'accessoire. Hein. Que dit Sega Rétro? Utilisez le Mega Modem, et ça va rentrer des codes également à trouver sur des cartouches compatibles avec le modem. Et il était compatible également avec Nikan Sports Pro Yaku, un logiciel de baseball. Et le Sega Mega Answer. Mais c'était avant tout utilisé pour accéder au service de banque en ligne. Hein. C'était vraiment l'argument de vente. Mais c'était compatible avec d'autres choses. Mais le. Hop! Ah ouais. Non, c'était vraiment. Ouais, c'était banque en ligne, résultat de sport en ligne. Et Mega Answer. Hein. Mega Answer, c'est le service comment dirais-je hein, le service de banque de Nagoya pour accéder aux banques d'Osaka, etc. C'est vraiment ça. On est à mi-chemin, on va regarder les scores. Hein. Alors. Alain Carr a quand même gagné 15 000 questions sur 15 000 points sur 15 000 points sur cette réponse-là. Et du coup, Alain Carr revient en tête avec 16 952 points. Derrière, Yanis le Rétro avec 11 900. Rien n'est joué, hein. Rien n'est joué. Doublek repasse en négatif, mais alors à peine. Selaïr, moins 38 000. Kazertox, moins 46 000. Et Behemoth, moins 129 000. Mais vous savez quoi? C'est 20 000 points, une question répondue instantanément. Donc, rien n'est joué du tout, on n'est qu'à la moitié. Donc, l'Axe Master est à portée de main. Question suivante. Comment une publicité de Sega a fait scandale en Angleterre dans les années 90? En détournant l'image de la reine d'Angleterre, en faisant participer à un détenu depuis sa prison, en faisant allusion au conflit avec l'Irlande ou en suggérant un acte sexuel de façon implicite. On a pas mal de pubs hein, qui étaient un petit peu olé olé, hein, notamment pour la Game Gear. On se souvient tous du mec là qui scoune Game Gear en étant cul nu de dos. Le pipi dans la neige. En France, on a eu les pubs avec. Enfin, c'est pas 68, hein, avec les pavés et les flics et tout ça. Les Anglais, ils ont une pub qui les a beaucoup choqués.
On n'est pas la reine. C'est le détenu. En fait, je mets le lien vers l'article. Ils ont demandé à un prisonnier de témoigner, de participer, d'enregistrer un message sans lui dire que ça pour une pub. Ils l'ont réutilisé après dans leur spot. Encore une fois, merci au Discord de Silence on joue. On a eu aussi donc aussi Freddy pour Trick Style. Ça a fait scandale et Sega a dû retirer la campagne hein, parce que être compris pour le pauvre mec et surtout à scandaliser les gens de faire une sorte de procédé qui était un peu outrancier. Quoi. Question suivante. Hein. Pour la pub TV au Japon du SC3000, Sega s'était offert les services d'un duo de comiques, mais lequel hein? Bakusho Mandai, Tunnels, Downtown ou 2Bit? Eh bien oui, c'est pointu, hein. Pas Sonic, hein, la musique ce soir, hein. C'est très japonais de faire des duos de comiques. C'est vraiment un type d'humour très particulier où on a deux personnages qui enchaînent très vite les répliques, hein, avec souvent un qui est un peu plus bêta que l'autre. Hein. Et pour ceux qui ont joué au Yakuza, je pense à toi, Kazertox. Voilà, je l'ai. Après, est-ce que je vais réussir à le trouver? On retrouve ça dans Yakuza 2. Quand on va à Osaka, où on a une espèce de mini-jeu, où on doit faire un duo comique et avoir le bon timing pour les réponses. La réponse est Tunnels. C-E, Tunnels. Voilà. Alors, est-ce que j'ai la pub? Bonsoir, Amar. Comme Eric et Ramsey, c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. Oui, mais il y a un petit peu de ça. Donc, côté un peu... oui, les mecs un peu débiles, les mecs un peu moins débiles. Hein. Est-ce que je vais trouver la pub hein. Je sais pas, on va essayer. À part que c'était une pub télé ou une pub magazine, je sais pas. Donc j'aurai du mal à la retrouver. Je pense que c'est pas ça. Bon, c'est pour ça de la retrouver. Bah oui, les 4 sont comme ça. Mais j'ai fait exprès, ce ne sont que des vrais duos comiques que j'ai mis. Bakusho Mandai, Downtown et 2Bit sont également des duos comiques. Bah 2Bit est le plus connu parce que c'est de là que vient Takeshi Kitano. Alors, question suivante. Hein. Dans Shenmue, peut-on réellement appeler certains numéros de téléphone? Non, la simulation a ses limites quand même. Hein. Oui, certains habitants et commerces ont subi des appels réguliers. Oui, et Sega a ouvert plusieurs lignes exprès Yokosuka. Oui, et ça redirigea vers une boîte vocale. Ah, tu connais Downtown, Kazertox. T'as vraiment une culture assez extensive de la culture japonaise. Hein. Celle-là, elle est assez difficile. Hein. À votre avis, jusqu'où ils sont allés, Sega, pour Shenmue? La réponse était oui. Sega a ouvert des lignes exprès Yokosuka. Ils avaient quelqu'un d'équipe, ils avaient quelqu'un de chez eux, qui habitait là-bas ou dans la région. Et ils ont demandé à cette personne-là d'ouvrir des lignes, et je crois qu'il a ouvert 3 ou 4 lignes téléphoniques. Alors après, je sais plus ce qui se passait quand on appelle le numéro. Sûrement un petit... voilà, mais c'était des vraies lignes, c'était pas des redirections, c'était pas des... Voilà, ils ont ouvert des lignes exprès pour l'occasion. Allez, ce rétro qui apparaît pour dire « Non !» à la Dark Vador.
Excellent. Est-ce que je vais retrouver l'article là? Yokosuka. Tatata, je retrouve pas l'article. Non, parce qu'il y a deux versions à cette histoire. Hein. Il y a deux versions à cette histoire. Il y a une version qui dit que les gens appelaient des gens de la ville. Hein. Mais moi, j'ai vu un article plus détaillé qui dit qu'ils avaient ouvert des lignes exprès. Je pense qu'il y avait un petit peu des deux. En vrai. Alors, oui, c'est pas celle-là. Moi, j'ai vu un autre article qui disait qu'ils avaient mandaté quelqu'un de chez eux pour créer des lignes, en fait. Justement pour éviter, j'imagine, ça. Mais vu qu'il y avait certainement d'autres numéros dans le tas, du coup, la question n'est pas très précise. En fait, ouais, quelque part, là, les deux réponses sont bonnes. Bon. Pas très grave. Miu, tu arrêtes. Pas de négociation. C'est moi qui décide. On passe. Alors, quelle célèbre figure de Sega se tenait à 5 mètres de moi, sans que je m'en rende compte. Bonsoir, Delenia Collection. Bienvenue. Ça quiz grave, ça quiz hardcore ce soir. Hein. Est-ce que c'est Hajime Satomi qui est à côté de moi? Est-ce que c'était Toshiro Nagoshi? Est-ce que c'était à côté de moi? Est-ce que c'était Yuji Naka qui était à côté de moi? Ou est-ce que c'était Takashi Izuka qui était à côté de moi? Je suis la juge de paix. Et... Ah, ça, enfin, je trouve la vidéo, ça. Pourquoi la vidéo, je dois encore la voir. Hein. J'ai regardé. Et la réponse, c'était Toshiro Nagoshi. Alors, comment ça s'est passé? C'était au TGS, je crois, 2012. Est-ce que je vais trouver TGS 2012, donc. C'était la parade de fin. La fin de journée. T'as le staff, en fait, qui défile. Hein. Sur une petite musique. TGS peut-être. Ah, je sais pas si je vais la retrouver celle-là. Faut que je. Ouais. Et du coup, ben, les gens, voilà, le staff en fait sont petits défilés en faisant coucou. Et t'as le public un peu qui est autour et qui applaudit machin. Et donc moi je filme ça. Et puis voilà. Et puis je rentre chez moi, je rentre en France, je fais le dépouillement des photos, des vidéos et tout. Et là, je vois sur la vidéo que je pense à deux personnes de moi, il y avait Toshiro Nagoshi. Voilà. Donc, et j'étais un peu deck parce que j'aurais remarqué qu'il était là, évidemment que j'aurais demandé un petit autographe, un truc comme ça. Attendez, ah, c'est de TGS 2010 peut-être ? Est-ce que j'ai les vidéos là? Ah non, je crois que je les recherche. Je crois que je la retrouve cette vidéo. C'est sûr que je l'ai. C'est sûr qu'elle est quelque part, mais alors où je ne sais pas. Donc voilà, petite anecdote d'un intérêt modéré, on va dire. Pas très grave. Question suivante. Le président Nakayama était très apprécié de beaucoup de des cadres de Sega. Mais le parmi eux, lequel, hein, a déclaré ne pas l'aimer? Bernie Stolar, Tetsuya Mizoguchi, Peter Moore ou Toshiro Nagoshi.
Il a dit publiquement, non, Nakayama, mec là, j'aime pas trop. Non, c'est pas tout ça. Ça me tue, je ne trouve pas l'article qui parle des téléphones de Shenmue, ça me fait une sorte de fussoir. Hein. Je le retrouverai. Alors. Ce que certains n'aimaient pas et le ont bien caché. Hein. Mais celui qui l'a pas caché, Miyu, dégage. Bébé, je te jure, hein, t'es devant mon écran, t'es au-dessus de mon verre, tu tournes en rond, bah, t'as quelque chose. C'est Bernie Stoller. Il y a un pattern avec Bernie Stoller, hein. Je sais pas si vous avez remarqué. Chaque fois qu'on en parle, c'est pour en dire un peu du mal quand même de ce mec-là, c'est bizarre. Hein. C'est bizarre. Bernie Stoller, alors je vais essayer de trouver. Toujours dans le même bouquin, Dreamcast Collected Works. Une série en fait de déclarations de différents. Je pense que la personne. Et Chris Bouquin avait une dent contre lui, clairement, parce qu'il s'arrange toujours pour lui envoyer des fions par déclaration interposée. C'est assez rigolo. Ah, ça, c'est des interviews, c'est pas ce que je cherche. J'aurais dû mettre un petit post-it avant de commencer le stream. Les illustrations, on s'en fout, c'est pas ce que je veux. Bernie Stoller qui, pour mémoire, en arrivant chez Sega, avait viré la moitié du staff en disant qu'ils n'avaient pas un mindset de winner et que lui, travaillait qu'avec des winners. Donc une personne tout à fait sympathique au demeurant, hein, comme vous pouvez le constater. Alors, je vais essayer de trouver la phrase exacte. Qu'est-ce qu'il dit, Bernie Stoller ? Miyu, ne marche pas sur le clavier, s'il te plaît. Ne m'arrête pas encore une fois le stream. Voilà, Bernie Stoller, président et CEO de Sega of America. Alors, Peter Moore disait Okawa, c'était quelqu'un qui divisait beaucoup, mais qui était un visionnaire, et je l'aimais beaucoup. Mizuguchi dit, c'est quelqu'un d'assez agressif dans ses objectifs, hein, qui avait beaucoup d'ambition, beaucoup de curiosité, beaucoup d'énergie, etc., etc. Yu Suzuki disait que c'est quelqu'un d'extrêmement attirant en tant que personne, qui avait un côté magnétique, donc qui le soutenait, voilà, pareil. Kikuchi de DJSR avait dit pareil. Nagoshi dit qu'il a beaucoup appris après lui, patati patata. Et donc il y en a un qui dit, donc c'est Bernie Stoller qui dit, je mets pas Okawa, c'était moi qui voulais le modem pour la Saturn, pour la Dreamcast. Mais Ah putain, je me suis trompé, j'ai fait un lapsus. Nakayama. Il aimait beaucoup Nakayama. Bon. Il comprenait les jeux et à quel point c'était important. Genre, putain, je me rends compte qu'en fait j'ai fait n'importe quoi sur ce quiz. Bon. Tout le monde aimait Nakayama en vrai. Et je crois que j'ai pas fait d'erreur dans le quiz sur le site. Je crois que je vérifie. Je crois que j'ai fait une erreur dans le quiz kit, mais j'ai pas dû faire d'erreur. J'ai dû corriger avant. Mais en vrai, je pense que j'ai vraiment corrigé dans le quiz d'origine. Faut que je vérifie. Alors, question suivante. Ah, t'as qu'il y aura des réclamations, on sait pas. Hein. En vrai, je pense pas. Parce qu'il y a tellement d'écart entre les participants que de toute façon. C'est pas 2-3 questions qui vont faire quelque chose. En plus, si je me trompe pas, en plus ça se trouve, ils ont même répondu faux les premiers, tu vois. Donc ça va être compliqué de savoir. Je regarderai quand même. Mais bon, je pense qu'il n'y a pas d'enjeu. Ouais, c'est un peu les boulettes là. Alors, question suivante. On avance quand même, hein.
elle a dû choisir une fonctionnalité à conserver pour la Dreamcast US, laquelle a choisi Bernie Stoller. Le lecteur DVD, le stockage interne, le modem intégré ou le karaoké? Bon, là, vous avez la réponse, je viens de vous la donner. Hein. Je viens de vous donner la réponse, littéralement. Et en plus, c'est qu'ils s'en vantent, hein. C'est le pire, hein. C'est qu'ils s'en vantent, hein. Espèce de gros nul, hein. C'est le modem intégré, bien évidemment. Voilà. En gros, Bernie Stoller, il avait le choix pour la version US de Dreamcast entre lecteur DVD, modem, stockage interne. Et lecteur DVD, et en fait, il s'est dit, le stockage, on peut rajouter après coup. Mais le modem, c'est important, c'est ce qui fait la Dreamcast une console avant-gardiste. Ça va, tout le monde m'écoute. 4 sur 4, bravo, donc c'est le modem, voilà. C'était une bonne idée, une mauvaise idée. C'est compliqué de réécrire l'histoire, maintenant. Question 27. Durant quelle époque historique se déroule Ryugagotoku Kenzan ? Kenzan. L'époque Keisho, l'époque Shotoku, l'époque Genbun ou l'époque Hansei ? Ça c'est dur, hein. Ça c'est dur, hein. Faut être un peu historien, faut être un peu fan de d'histoire japonaise, faut être un petit peu fan de Yakuza, un petit peu de tout. Ça vous dit quoi, Oyama? Je trouve mes trucs. Qu'est-ce que j'ai déjà perdu mes déclarations, moi. Oh là là. Okawa. Alors, la réponse étant, c'est l'époque Keisho. Voilà. Écoutez, vous serez moins bête en vous couchant ce soir. C'est l'époque Keisho, il y a plein d'époques différentes et de sous-époques. Voilà. Et l'époque de Yakuza Kenzan, où Ryu, en gros, incarne... c'est quoi déjà? C'est... En plus, c'est vachement connu. Samouraï hyper connu. C'est l'époque Keisho, qui est antérieure à celle d'Ishin, d'ailleurs. En plein Japon médiéval. Du coup, je vais vous dire que quand même de quand à quand ça, l'époque Keisho. Quand même, on va creuser un petit peu. L'ère Keisho est une des ères du Japon, ok. Après l'ère Bunroku et avant l'ère Genna. Elle va de 1596 à 1615, voilà. Musashi, merci Kazartox, je savais que tu seras au taquet. Question 28. De Yakuza 0, de quel groupe est inspirée la chanson 24 heures Cinderella? Ali Project, TM Network, Hikaru Genji ou Yellow Magic Orchestra. Tout est possible, BMOS. Tout est possible. Hein. Tout est possible, tout est réalisable. C'est le jeu de la vie. Vais-je trouver une image qui ressemble vraiment... Ouais, vaguement. Je les ai vaguement. Ah là. C'est eux. Mais c'est eux qui? C'est qui, ça? C'est Hikaru Genji. C'est Hikaru Genji, qui est un, voilà, un groupe
un groupe de J-pop, un groupe de garçons. Kazartox savait, mais non, bien sûr que Kazartox savait. C'est ton domaine, Kazartox, c'est ta niche. Hikaru Genji, voilà. Est-ce que j'ai trouvé une vidéo, peut-être? Alors ça va être un peu dur de trouver un clip. Hein. Starlight. Alors qu'est-ce qu'on a là? Ah non mais j'ai que la musique, hein. C'est nul. Hein. Bon non c'est nul. Mm-mm. C'est nul. Hikaru Genji Girac. Elle est bonne celle-là. Elle est très bonne. Donc il se tire pas dessus, hein, écoute. Question 29. De quelle actrice de jeu provient le mecha exclusif... série de jeux, pardon. Vient le mecha exclusif à la version Dreamcast de Super Robot Tyson Alpha. Virtualon, Gun Griffon, Denno Bokenki Webdiver ou Sunrise et Yutan. C'est chaud, hein. C'est chaud, c'est chaud. Super Robot Tyson, qui est une série de tactical avec différents robots mecha de différentes séries animées. Avec un gros mash-up, des fois il y a toujours Gundam, t'as du Macross, t'as du Evangelion, des fois. Parfois des séries qui sont plus obscures. Hein. Cette version Dreamcast, elle a un robot qui vient de la série Sunrise et Yutan. Alors, est-ce que je vais trouver Sunrise et Yutan? Oui. Alors... Sunrise et Yutan... ça a l'air d'être ça. Que je vais réussir à l'afficher. Ouais, voilà. Vraiment, c'est un dérivé de Gundam. Je cache pas que j'ai dû faire du wiki fandom, je sais pas quoi, hein, Wikia pour trouver la réponse. Question suivante. Hein. Dans quel film avec Jackie Chan peut-on apercevoir quelqu'un jouer au jeu Tetris de la Mega Drive? Et là, c'est une question... Ma source, c'est moi, parce que j'ai vu le film il n'y a pas très longtemps. Opération Condor, Jackie Chan dans le Bronx, Nicky Larson ou Police Story 3? Haha! Là, en étant un peu cinéphile, on peut le savoir. Et par contre, j'aurais pas d'image, peut-être que j'aurais une vidéo. Peut-être qu'en vidéo, je vais la voir. Alors, est-ce qu'on aime bien Jackie Chan ici ou est-ce que pas trop? Ben, aucune bonne réponse. Ça n'est pas Jackie Chan dans le Bronx, ça n'est pas Nicky Larson, c'est Police Story 3. Si je réussis... Ah, évidemment, ça marche pas. Je vais essayer de vous trouver la vidéo. Attends, est-ce que je vais réussir à choper? Ah, dans le doute, hein. Je vais vous montrer la séquence. Hein. Un écran, tant qu'à faire. Attention, on va voir bientôt. Est-ce qu'on va le voir? Attention, on va avoir un petit plan derrière. Je crois que c'est quand il arrête de jouer qu'on va le voir en fait. Attention, ça va être bientôt. On voit qu'il a une Mega Drive. Un film où il a une Game Gear sans jeu? Je veux dire boss, comme la Mark III, t'as un jeu intégré à l'intérieur. Alors, on voit pas ou on voit pas?
vais avancer un petit peu parce que je pense qu'on verra pas. Ah voilà, ça, attention. C'est là. Et voilà, on voit qu'il joue à Tetris sur Mega Drive. Voilà. C'est furtif, hein. C'est furtif, je crois qu'on le revoit un petit peu après. Je vous le remets. Attendez, c'est où? Je fais un petit arrêt sur image. Hop là, regardez. C'est bien le Tetris Mega Drive avec une Mega Drive à côté. Hein. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et évidemment, ça dépare un peu l'image. N'importe quoi cet OBS. Écoutez, on est à 30 questions. Du coup, c'est à moi de voir les scores. Doublec. Tout le monde est négatif. C'est parfait. C'est parfait. Mon but est atteint. Doublec, moins 762. Yannis le rétro, moins 1300. Alain Carr, moins 566. C'est l'ailleurs, moins 69 000. Gazer 83 000. Et Benos, moins 142 000. Doublec, c'est vrai que toi, t'es bien parti pour gagner en arrêtant de répondre. Tu poses ta souris, tu poses ton clavier, tu t'éloignes de ton clavier. Et tu devras réussir à gagner comme ça. Hein. Franchement, c'est pas impossible. Ah, c'est trop marrant. Je me régale. Question compliquée. Ron et Roger Yuan incarnent des adversaires du protagoniste dans le jeu Mega 32X Super Warrior. Mais on les voit également dans un film adapté en jeu vidéo adapté en film. Lequel? Double Dragon, Mortal Kombat, Street Fighter The Movie ou Super Mario Bros. On a deux comédiens qui jouaient dans Supreme Warrior sur 32X qu'on retrouve dans un de ces quatre films tirés d'un jeu vidéo. Mais lequel? Ron et Roger Yuan. Est-ce que je vais... Roger Yuan, c'est lui, hein. Bon, ça c'était pas super intéressante, mais... Et la réponse est... Double Dragon. Alors, ils ont fait beaucoup de films, et effectivement, ils ont joué les cascadeurs, ou ils ont fait de la bagarre dans beaucoup de films. Mais le film où ils jouent ensemble... C'est Double Dragon. Voilà. Encore une question Wikipédia pour ma part. Hein. Je peux aller chercher ça d'ailleurs. Je crois que je cherchais une question sur les castings des jeux FMV Mega CD. Un truc qu'on n'avait pas vu en stream ensemble. Hein. Et du coup, j'ai un petit peu balayé les crédits de Super Mario et je suis tombé là-dessus. Voilà. J'ai cliqué sur ceux qui avaient un lien en bleu, donc qui avaient une carrière à côté du jeu et n'avaient pas tant que ça. Ah, Robert Patrick et sa coupe de cheveux formidable. Quelle époque difficile hein, pour les comédiens. Alors, avec une chanson de quel groupe la Nomade partage-t-elle son nom de code? Une chanson du groupe Fleetwood Mac, du groupe Shocking Blue, du groupe The Animals ou du groupe Sabrina? La Nomade a eu un nom de code. Ce nom de code, c'est le même que nom qu'une chanson d'un de ses groupes. Mais quel groupe? Là, faut... Là, 20 secondes, c'est un peu short, hein, parce que rien que pour comprendre la question, il en faut au moins 30, je pense. C'est pas évident. Hein. La réponse, c'est Shocking Blue. Parce que c'est Venus, bien sûr. C'est Venus. Bananarama a chanté la chanson Venus, mais à l'origine, c'est le groupe Shocking Blue. I'm your Venus, I'm your fire, your desire. C'est Shocking Blue. Voilà. Et Venus, qui est le nom de code de la Nomade. Question suivante. Parmi tous ces projets d'accessoires Mega Drive, lequel est sorti? Le Heartbeat Catalyst, hein, qui mesure le pouls, le mouvement et la sanité de la peau. Le Teleplay System, qui permet de jouer à la Game Gear sur une télévision via le tuner. Le Video Jukebox, une télévision avec une Saturn et un système karaoké intégré. Ou le Sega VR, un casque de réalité virtuelle sur Mega Drive. Lequel est sorti?
C'est très très drôle hein, d'ailleurs ce truc-là. J'arrive à vous la montrer quand même. Ah, ça, c'est fou, dès que je vais sur le. Dès que je clique sur le navigateur, ça le montre. Hein. Enfin, c'est quoi ce travail hein? La réponse, c'est le Heartbeat Catalyst. Un accessoire qui mesurait le pouls, la sanité de la peau. Voilà, c'est un truc totalement improbable. Que dit Saga Retro dessus? Donc ils en ont produit uniquement 1000. C'est sorti uniquement aux USA, évidemment, en novembre 93. Et vendu avec le jeu exclusif Outback Joey. Donc c'est une des pièces les plus rares sur Mega Drive. Et c'était compatible avec NHL PA Hockey, Outworld, je sais pas quoi, et PGA Tour Golf 2. Donc voilà, il y a tout un article sur le Heartbeat Catalyst. Je vous invite à lire. Et du coup là, ça disparaît. Ça n'a aucun sens. Et donc le jukebox, c'est moi qui l'ai inventé. Hein. Voilà. Par contre, il y a bien eu un karaoké Saturn qui s'appelait le Sega Prologue. Les Prologue 21 et le Super Prologue 21, qui étaient des systèmes karaoké intégrés à une Saturn avec des chargeurs multidisques pour le parti karaoké. Des vrais Saturnes. On peut jouer avec à la Saturn. Et d'ailleurs, on en a un fonctionnel à la SOEMO5. J'ai joué à VF dessus. Teleplay System, c'est moi qui l'ai inventé aussi. Et le Sega VR existe, mais il n'est pas sorti. Voilà, c'est resté un prototype. C'est un petit peu tôt peut-être pour la VR, bien que maintenant, c'est encore un petit peu tôt, je pense. En tout cas, pour avoir un marché viable, c'est un petit peu tôt. Oui, je pense que oui, parce qu'on a dû le sortir pour Adlooters, ouais. On a dû le sortir pour Adlooters. On vous dirait un peu une chaîne IFI, il y a des micros sans fil en plus avec, extrêmement classe. On a encore des chansons dans la mémoire intégrée. Et on a avec un catalogue de chansons épais comme ça, donc pour les karaokés. C'était une machine qui était destinée au karaoké. Et apparemment, vu que ça marche quand je suis sur le navigateur. Non, dans Firefox alors. Voilà, pour là ça marche. Super Prologue 21. Voilà, et c'est Darius Saturn qui nous a trouvé d'ailleurs cette machine et qui l'a. Voilà, le voilà. Et qui nous l'a remise en service. Regarde cette beauté. Donc nous on a celui-là chez MO5. Voilà, c'est super chouette. Très belle machine. On a aussi un truc marrant chez MS5, on a une espèce d'acte de jouet, de baseball, je sais pas quoi. Je crois qu'on montre un de ces quatre aussi. On a plein de petites pépites, c'est assez rigolo. Question suivante. Quelle série de Sega n'a jamais été adaptée en live? House of the Dead, Virtua Fighter, Last Bronx ou Yakuza? Là est moins dur quand même. Même si je pense que vous avez dû faire. Mais. Adapter ça en série live? Live? Rien en série live? Voilà. En tout cas, moi je me suis dit ça aussi. Hein. Donc. Non, ce serait normal. Et. Tu t'es fait eu, tu crois? Virtua Fighter. VF n'a jamais été adapté en format live. Il y a une série animée, mais pas de film ou de série télé. Yakuza a été adapté, hein, déjà techniquement en live, puisqu'il y a une pièce de théâtre. Mais c'est pas de ça que je parle. Il y a un film Yakuza par Takashi Miike. Last Bronx, hein, il y a eu un espèce de drama avec des vrais comédiens. Donc il y avait un truc live et House of the Dead bien sûr hein, adapté en film cataclysmique hein, par Uwe Boll. Mais Yakuza, alors du coup apparemment ça a marché.
Il y a... voilà, il y a eu bien... ça c'est le théâtre, je pense. Voilà, il y a bien eu un film... Ah bah, c'est... ah, ça a disparu. Voilà. Donc ça, c'est le film Live Yakuza. Ah non, c'est quelle série de Sega? Donc quelle franchise de Sega? Donc il y a eu également Last Bronx. Hein. Je crois que c'était un peu de drama. Avec des vrais comédiens. Faut que je le retrouve. Last Bronx Live Action. Regardez ça. Voilà, il y a eu un live action Last Bronx. Il est là. Et puis House of the Dead, hein, tout le monde le connaît. Hein, je vais pas vous le montrer. Hein. Vous avez, vous méritez pas ça. Alors, question suivante. On arrive à la question 35. Last Bronx, ouais, encore un succès. Je pense qu'ils ont dû pousser à mort pour la série, mais ça n'a pas dû trop marcher. C'est un jeu qui est tellement atypique que... On se fera ça un de ces quatre aussi avec JP, ouais, un petit live versus Last Bronx. Hein. En plus, il est curieux d'y jouer, JP, il est très versé baston, donc on fera ça. Quel était le premier projet de Mizuguchi en arrivant chez Sega? Un casque de VR pour Game Gear. Un programme destiné à la borne AS1, les traverses de la Saturn ou le développement de Sega Rally en arcade. Premier projet. Ce qu'il a fait en tout premier arrivant chez Sega. C'est un peu un side project. Hein. Voilà, il le faisait un peu sur son temps libre. Mais c'est la première chose qu'il a faite. C'est un casque de VR pour Game Gear, figurez-vous. C'est fou, hein? Alors, c'est bien avec Mizuguchi. Alors officiellement, son premier projet attribué par un supérieur, c'est le Megalopolis hein, sur le borne AS1. Une espèce de gros truc, un peu de... pas de VR, hein. Mais le truc un peu immersif là, qui est monté sur Vérin, qui va être dans les nuages. Mais il a son tout premier projet, qu'il a, enfin voilà, qu'il a son premier travail chez Sega, c'était de tester, de faire ce petit casque VR Game Gear avec trois bouts de ficelle et des crayons de papier, quoi. Voilà. Ah, c'est dur, hein. Ah, mais quand c'est dur, c'est dur, hein. Quand c'est dur, c'est dur, hein. Question 36. Dans une vidéo commémorative officielle des 25 ans de Sonic, quelle image du jeu a été retenue pour illustrer Sonic 2006? Une séquence de l'intro, l'écran de loading, un bug de collision suivi d'une chute mortelle, ou le fameux baiser final? Alors... qu'est-ce que c'était? On avait une espèce de petite séquence où ils montraient 3-4 secondes de chaque jeu Sonic sorti jusque-là. Et pour Sonic 2006, ils ont choisi un petit écran particulier. À la carte, tu dis l'écran de loading? C'est l'écran de loading. J'ai pas retrouvé la vidéo, malheureusement. J'ai pas retrouvé cette vidéo. C'était que sur Twitter, je sais plus. Mais effectivement, ils ont mis pour Sonic 2006 l'écran de loading. Donc t'as le loading en boucle pendant 4-5 secondes pour illustrer le jeu. Voilà. Ça en parle sur Reddit. Hein. Donc faut que je trouve la vidéo à l'occasion. C'est encore autodérision chez Sega. Hein. On connaît. Question suivante, 37. Hein. À quelle même date, in-game, dans le jeu, est-ce que j'ai fini Shenmue, mais à 20 ans d'écart dans la vraie vie? 31 décembre, 25 décembre, 29 décembre ou 27 décembre?
à cette occasion, d'ailleurs, j'ai vu qu'effectivement, il s'était écoulé 20 ans entre mes deux parties, ce qui m'a collé un coup de vieux, mais alors phénoménal, quoi. La date de la sauvegarde finale de Shenmue en stream. Elle n'est pas subsidiaire, celle-là. Celle-là n'est pas subsidiaire. Oui, on est vintage. Ouais, ok. C'est le 29 décembre. Hein. Personne ne suit. Hein. Personne ne suit. Personne ne suit ce que je fais, en fait. Ah, c'est dur. C'est dur. Mais il faut bien récompenser les fidèles du stream. Hein. Donc, voilà. J'ai fini une partie en 2004, la dernière fois. Le 29 décembre. Et quand j'ai refini le jeu, il y a quelques mois, en stream, c'était aussi un 29 décembre. Voilà, on se refait pas. Question suivante. Dans quel type d'établissement était utilisé à l'origine la Dreamcast R7 ? Dreamcast R7. Les karaokés, les hôtels Sega Resort, les clubs d'hôtesses ou les pachinko ? R7 qui veut dire Regulation 7. En vrai. Il y a eu un quiz facile d'Orlando. Ça, c'est subsidiaire. Hein. Combien de fois 0 ça dit jeu de merde en jouant à Sonic Heroes? Je pense que ça, c'est subsidiaire parce que c'est trop pour les compter, en fait. Il aurait fallu remettre tous les streams, ça aurait été infernal. La réponse était dans les pachinko. Eh oui. Dreamcast R7 était dans les pachinko initialement. Après, on pouvait l'acheter à côté, hein. On n'a pu l'acheter à côté par la suite. Mais elle était présente dans les salles de pachinko. Voilà. Question suivante. Qui sera la dernière vraie question. Donc c'est là que tout se joue. Est-ce que je montre les scores? Je montre les scores. Alincar est en tête. Doublec. Là, faut que tu joues. Enfin, faut que tu joues. Je sais pas. En tout cas, si Alincar ne joue pas, il gagne. Donc, Doublec, t'as une chance. Yanis, t'as une chance. Encore. Les autres, c'est mort. Hein. Je vous cache pas que c'est mort pour vous. Mais la couronne est encore jouable. Hein. Elle est encore jouable. Attention, dernière vraie question. Après, il y a une question bonus qui compte pas de points. Donc ne répondez pas à la question bonus, répondez à celle-là. Ne répondez pas à la suivante. Dernière vraie question. Quel film d'animation a été réalisé par le studio Marza qui appartient à Sega? Saint Seiya, Appleseed Ex Machina, Ten by Me Doraemon ou Lupin 3 The First? Marza qui a également, fait le film Captain Harlock, ainsi que le court-métrage La nuit du Werehog qui a été diffusé dans les dans Joypolis. Et également un autre film. Oh, Doublec a joué. Là, c'est kit ou double. C'est kit ou double. Oh, tout le monde a joué. Tout le monde a joué, ça a joué vite. Quelle est La réponse, c'est Lupin 3 The First, hein, qui est sorti. Non, qui n'est pas sorti du tout en France. Attends, c'est quel The First? Celui qui est sorti en France ou pas The First? Lupin 3 The First. Hein. Est-ce que je confonds? Ah, il est sorti en France. Pas très bon, un film d'animation, Lupin 3 The First. Hein. C'est très très bien. Hein. Je veux trouver l'affiche. Oh non, peut-être un petit trailer. Hein. Bon, il n'y a pas le son, mais c'est pas grave. Il est vraiment super bien. Le style graphique surprend un peu au début. Mais en fait, c'est bien. C'est un côté cartoon. C'est vraiment très chouette. Oh, c'est une bonne surprise de... Bah, c'était 2019 ou 2020 pendant Covid.
Non, je crois que c'était avant le Covid, hein. Ça devait être 2019. Voilà, et c'est Mazra. C'est Mazra. Du coup, 5 bonnes réponses, bravo. Bravo, je suis impressionné. Comme quoi, l'audace paye. L'audace paye. Et du coup, je vous montre les scores finaux. Attention, score total. Alain Carr, le grand chelem pour Alain Carr. 18 000 points, doublec, t'as bien joué. Mais voilà, c'est pas ton destin te traîne entre tes mains, malheureusement. 5 900, Yanis le rétro, 4 000. Ça s'est joué à une, tu vois. Ça s'est joué à une question près. Une bonne réponse près. Et mais bien joué. Bien joué, Alain Carr. Grand chelem pour toi. Alors, tu le veux ton code binary domain ou tu l'as déjà? je crois pas avoir de prix. Non, pour le dernier, tu rigoles. Hein. Eh ben écoute, je t'enverrai en Whisper sur Twitch le code, un code Steam Binary Domain. Hein. Et sinon, non, j'ai pas d'autres codes. Désolé. J'ai pas d'autres. Ah, si, je peux. Je crois que j'ai des codes pour Sid Meier's Pirate ou un Civ. Hein. Si ça t'intéresse, Doublec, tu me le dis, hein, par contre. Hein. Je sais pas comment faire. Donc, vas-y, profite. Alors, petite question bonus. Ne répondez pas à cette question. Enfin, si, pour le plaisir, si vous voulez. Pour le fun, hein. Maintenant qu'on a établi qu'un quart avait gagné, si vous voulez vous tester. Non. Ne répondez pas à la question suivante. Elle ne compte pas. D'accord? Ne répondez pas à la question suivante. Faites dans votre tête. Question bonus. Pour le fun. Jenaka est un peu un connard, hein. Mais pourquoi? Il a refusé de prêter le moteur de Nats au dev de Sonic Extreme. Il a effacé Naoto et Shima de photos où on les voit ensemble. Il a streamé Virtua Hunter au Tokyo Game Show. Il voulait piquer une techno à un studio avant de les virer. Ouais, celle-là, les bonus. Celle-là, elle valait 0 points dans le quiz, hein, je vous rassure. Hein. Et la réponse est... Je sais pas parce que bon, ouais, c'est évident. La réponse est... Toutes les réponses sont bonnes. Yuji Naka, il y a 50 nuances de connard de Yuji Naka. Et ces quatre... voilà, ces quatre-là... alors, le coup de virer les développeurs, c'est du oui-dire, hein, mais de quelqu'un qui était présent. Donc je pense que c'est vrai. Il a effectivement streamé Virtua Hunter au Tokyo Game Show. Donc Virtua Hunter l'a gentiment abordé en japonais alors qu'il était devant le stand de goodies de Sega en train de prendre des photos. Durant la journée des pros, donc tout à fait légitime de l'aborder. Et Yuji Naka l'a totalement ignoré à regarder ailleurs, comme ça, en 6 minutes, en sifflotant. Il a effectivement effacé Naoto Oshima de photos où ils vont ensemble. On voit qu'une silhouette noire à la place parce qu'il s'était fâché. Et effectivement, il n'a pas voulu prêter le moteur de Nights au dev de Sonic Extreme, alors que c'était hyper en galère. Voilà, effectivement, il y a un des devs qui parle japonais, c'est un studio américain, je sais pas quel jeu c'était, c'était un jeu Saturn. Et il était dans les coups, dans les allées, il disait ah oui, de toute façon, ceux-là, une fois que le jeu sera sorti, on dégage tout ça et puis on récupérera leur techno parce qu'elle est pas mal. Et un des devs parlait japonais. Dommage. C'est bien dommage. Ah voilà, c'est ça. Donc c'est bien 2020 en France, c'était entre deux confinements à l'époque du Covid. Après, en contrepoint, Tonton Sega l'a croisé à un E3. Et a un peu discuté, il dit qu'il était charmant. Donc, bon. Écoutez, on peut pas être toujours dans un bonjour, apparemment. Écoutez, bah c'est tout pour ces quiz. C'est tout pour ces quiz. Du coup, moi, je vais publier les réponses aux différents quiz sur le site. Et puis, pour que vous puissiez voir également les réponses aux quiz musicaux. Parce que le blind test, c'est quand même un gros morceau aussi. Merci à tous pour votre participation. C'était très chouette de refaire ça en live. Maintenant, j'ai plus qu'à trouver d'autres questions pour les prochains quiz. Ça va être compliqué. Je pense qu'on ira plus dans le détail des jeux maintenant, parce que sinon, là, tout ce qui est lore de Sega, je suis à sec. Là, c'est fini. GG à tout le monde. Bravo, bravo. Merci, BMOS, pour ton sub. Merci, Rastanos, pour ta fidélité, pour ton sub aussi. On se retrouve mardi, je pense, pour je sais pas quoi. Du one shot, peut-être un truc spécial JO. On verra.
Un truc un peu cool, sans enjeu, sans stress. On verra. Alors, qui est-ce que, avec qui je vous laisse? Qui est en ligne dans les gens que nous suivons? Tiens, Madeville, Fontan. On va arrêter Madeville. Hein. Il fait du rétro, je sais pas à quoi il joue. Madeville. Tac, vous passerez le bonjour de ma part. Encore une fois, merci à tous. Il fait chaud, hydratez-vous, amusez-vous bien, travaillez pas trop et surtout prenez soin de vous. Allez, ciao.